Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. C'est une édition tout à fait bilingue, Hanson. Good evening, Flavien Ndongo. Viewers, thanks for joining us in the 8 p.m. bilingual edition of News on Equinox Television live from Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, we will give you the first statements of Nijon Frode, the national chairman of the Social Democratic Front, SDF party. After his release from captivity, the chairman says he was mishandled by those who kidnapped him from his historical residence in Bamenda and treated like a pig. Nijon Frode spoke to our reporter in Bamenda, Bustela. And equally in this newscast, we shall be giving you the atmosphere at the historical residence of Nijon Frode a few hours after his kidnap his release from captivity. And in sports, star runner of Melo are winners of the Cup of Cameroon 2019 edition. They today had a better side of Fab of Yaoundé, giving them 3-2. We'll tell you more in this edition of the news. Nijon Frode, vous l'avez appris, est donc libre, il respire l'air de la liberté avec quelques traces de blessures sur son corps. Il a passé 24 heures au milieu des personnes visiblement armées et qui lui ont intimé l'ordre de rester en tout cas tel quel. Et avec également des images que vous aurez au cours de cette édition, vous comprendrez pourquoi et qu'est-ce qu'il a passé, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées en captivité. Et voilà, nous parlerons aussi de la Coupe du Cameroun de football, Stade Renard de Mélan. Vainqueur de cette édition 2019, l'équipe donc de la région du littoral a battu AS FAP 3-2 cet après-midi au stade Amadou Ahidjo. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette édition bilingue d'informations sur Equinox. Nous ouvrons par le sport Coupe du Cameroun de football. Stade Renard de Mélan remporte le trophée de cette édition 2019 face à AS FAP, Forces armées et police, sur le score de 3-2. La rencontre s'est jouée cet après-midi au stade Amadou Ahidjo. La finale était présidée par le Premier ministre Joseph John Gouté, donc en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec notamment ses résultats de la journée, troisième et dernière journée donc de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Madagascar crée donc une double surprise dans le groupe B. Non seulement le pays d'Amad Amad a battu 2-0 le Nigeria, mais il est également premier à 7 points devant donc le grand Nigeria, de l'inédit dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour une sélection à sa première participation dans la deuxième rencontre donc qui s'est déroulée au même moment. La Guinée-Conakry a battu 2-0 le Burundi et donc lui aussi à sa première participation officiellement. Donc Madagascar et Nigeria sont qualifiés. Guinée-Conakry est donc en ballotage pour la place, donc le meilleur troisième. Le Burundi est donc hors de la compétition et bien entendu et à l'instant même dans le groupe A, l'Égypte, Ouganda et RDC Zimbabwe rentrent donc sur l'aire de jeu en ce moment. Nous restons à la CAN Égypte 2019 avec cette fois nos envoyés spéciaux. Donc après le match des Lions, match nul contre le Ghana hier samedi, les Lions indomptables ont effectué une séance d'entraînement en fin de journée de ce dimanche. Une séance d'entraînement avec très peu d'enthousiasme pour les Lions indomptables. Retrouvons nos envoyés spéciaux donc en Égypte, Sylvestre Hippolyte Zangaou et Sylvain Tchouba. L'entraînement prévu à 11h30 ici au stade de l'hôtel Mercure au lendemain de ce match nul de 0-0 contre le Ghana. Clarence Seedorf est arrivé au stade 45 minutes avant ses joueurs. Il y est rejoint plusieurs minutes après par son capitaine Eric Maxime Choupo-Moting, accompagné de l'un des préparateurs physiques de l'équipe. Le capitaine des troupes, blessé depuis le match contre la Guinée-Bissau, n'a joué que la deuxième partie de la rencontre contre les Black Stars du Ghana. Il est donc toujours pris en charge par ce préparateur physique et Clarence Seedorf
préoccupé de voir son attaquant revenir à son meilleur niveau, l'encourage. Les deux hommes multiplient des exercices ensemble avant d'être rejoints par le reste du groupe. Joseph-Antoine Bell en visite dans la tanière ce dimanche. S'entretient avec plusieurs joueurs, notamment les gardiens de but. Tous accourent presque vers lui, heureux de recevoir les conseils du vieux lion du haut de son expérience. Ensuite se forme le traditionnel cercle qui ouvre toutes les séances d'entraînement et lions rentables du Cameroun depuis qu'ils sont arrivés à Ismaïlia. Le groupe est déjà projeté vers son troisième et dernier match, sera mardi prochain contre les écureuils du Bénin. Le Cameroun est actuellement en tête du groupe F avec 4 points, mais tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe, même si les lions sont leaders. Les écureuils du Bénin ont également à cœur de passer pour la première fois la phase de poule d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la 32e édition. Ils y viennent pour la 4e fois, ces écureuils du Bénin. Ils ont déjà annoncé hier en conférence de presse que leur dernier match contre le Cameroun sera pour eux le match coupe-gorge. En direct du stade d'entraînement de l'hôtel Mercure, pour Equinox Télévision, envoyé spéciaux, Séverin Tuban, Sylvestre Hippolyte Zangao. Nous restons donc à Ismaïlia, donc en Égypte, avec nos envoyés spéciaux. Cette fois, nous retrouvons Aïs Cyril et Carlos Minoué qui ont également analysé les performances des joueurs camerounais, les Lions Indomptables naturellement, au lendemain de la rencontre qui a posé donc les Lions Indomptables au Ghana, une rencontre qui a suscité beaucoup de commentaires. Et dans ce reportage, je vous propose donc de suivre les commentaires justement de notre envoyé spécial Aïs Cyril. Titularisé pour la première fois depuis le début de la CAN, Gaëtan Bon, au dire de certains observateurs, n'a pas comblé les attentes. Et c'est logiquement que celui qui a montré quelques signes d'essoufflement sur le flanc gauche de la défense a été remplacé en seconde période. Jay Clinton aussi faisait son entrée dans le 11 de départ. Mais pour cette première titularisation, l'attaquant camerounais a été méconnaissable, aux grandes dames des fans qui espéraient qu'il mette à profit la pointe de vitesse qu'on lui connaît. Il en est de Jay Clinton, comme de Christian Bassogok, dont on a attendu en vain les dédoublements dont il a pourtant seul le secret sur le flanc droit de l'attaque camerounaise. Karl Toko Ekambi n'est pas en reste. Repositionné à la pointe de l'attaque en l'absence du capitaine Éric-Maxime Choupo-Moting, sa performance est jugée en deçà de la moyenne. Tout le contraire de Faye Collins, aligné pour la première fois après avoir purgé sa suspension pour cause de 2 cartons jaunes. L'arrière latéral droit n'a pas été ridicule. Mais la plus grosse satisfaction vient de Frank Zambouanguissa. Le milieu de terrain a été désigné homme du match contre le Ghana. Une distinction qu'il avait déjà reçue au terme du premier match contre la Guinée-Bissau. Auteur de nombreux sombreros sur ses adversaires, Frank Zambouanguissa convainc par sa technique, son impact et sa puissance physique. Homme du match pour la deuxième fois en deux sorties, celui qui se présente déjà comme le dépositaire du jeu des Lions Indomptables, au dire de certains observateurs, est en route pour le titre de meilleur joueur de la CAN Égypte 2019. Parlons de toute autre chose à présent, de la religion, avec cette messe d'action de grâce en l'honneur de Rose Kadi. C'est pour dire merci au Seigneur pour les bienfaits dont il a comblé, donc en même temps qu'elle célébrait son élévation à la dignité d'officier de la valeur. Compte rendu, Guizogo, Élisée Bogba. Jour de joie au domicile de feu le patriarche Kadji de Fosso à Yaoundé. Nous avons besoin de toi pour aussi longtemps que possible. Nous allons fêter ton centenaire, après le centenaire va continuer. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était à l'occasion de la messe d'action de grâce organisée en l'honneur de son épouse Rose Kadji qui a passé des moments difficiles et s'en est remise. Il est question dans le culte d'action de grâce d'être reconnaissant pour les bienfaits de Dieu. Et c'est depuis 5 ans qu'elle a échappé à la mort. Après les pronostics des médecins qui avaient dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, elle s'est remise à Dieu, qui s'est manifesté et qui s'est glorifié à travers sa guérison. Et comme cela ne suffisait pas, elle a eu les reconnaissances du chef de l'État qui lui a accordé de recevoir cette distinction qui fait d'elle aujourd'hui une des personnes distinguées de notre société. Comment ne pas dire merci à Dieu pour tant de hauts faits et de bienfaits? Nous allons bien dans le Seigneur.
Au regard du bonheur qui s'est dégagé des lieux du jour, de la famille et des nombreux invités, il a été rappelé de s'attacher à Jésus-Christ. À la suite du moment rose, il est mieux de se connecter à Jésus-Christ. Parce que pour nous, nous croyons et sans hésitation que c'est lui qui est la solution à toutes nos préoccupations. Il le dit d'ailleurs qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors s'il remplit ces trois critères, pourquoi devons-nous aller ailleurs chercher ce qui est en Jésus-Christ? Et ça a été l'occasion pour nous d'inviter au travers de l'homélie ou de la prédication tous ceux et celles qui hésitent encore à s'attacher à Jésus-Christ. Pour sa part, la famille royale Bana, dont est issue Rose Kadji, s'estime très honorée par cet événement mémorable. C'est une journée mémorable pour notre famille royale. Elle a pu être décorée en son vivant. Nous remercions Dieu très sincèrement pour l'avoir conservée, pour avoir fait en sorte qu'aujourd'hui nous soyons ensemble. Nous remercions bien sûr le chef de l'État pour la médaille qu'il a bien voulu lui donner, officier de la valeur. Je crois qu'elle le méritait pour le travail accompli pour ce pays. Pour elle, c'est la récompense à Rose Kadji pour l'ensemble de son œuvre à l'endroit du Très-Haut. Pour ses œuvres religieuses, je crois que Dieu l'a aidé à passer encore quelques années. Et nous remercions le Père Tout-Puissant pour l'avoir conservé. Et nous souhaitons, de tout cœur, qu'on la conserve encore longtemps dans notre famille. Parce que dans notre famille, alors nous parlons, il y a plus beaucoup de son âge. Qu'elle soit encore longtemps pour nous donner des conseils. Portée par l'allégresse de ce jour, aucune attention n'a été refusée à Rose Kadji par les siens aux petits soins pour cette matriarche. Finalement, elle-même ne s'est pas privée de dire sa reconnaissance à l'endroit notamment du PDG d'Equinox Télévision. Il vous a téléphoné pour venir au secours. Je dis merci à Tani et à toute sa famille. Une soirée pleine de grâce qui appelle certainement des jours meilleurs pour Rose Kadji à l'avenir. Parlons à présent de toute autre chose, notamment des manifestations survenues donc à Genève en Suisse, perpétrées par des Camerounais, certains Camerounais de la diaspora, devant l'hôtel intercontinental. D'ailleurs, le gouvernement camerounais s'indigne face à la récurrence de ces agissements aussi incompréhensibles qu'importuns. Les autorités camerounaises dénoncent d'ailleurs fermement aussi des comportements inadmissibles de nature à ternir l'image du Cameroun, que ce soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'attitude particulièrement hostile et belliqueuse de ses compatriotes suscite tant d'interrogations au sein de la communauté nationale. Le ministre de la Communication, qui signe d'ailleurs ce communiqué, invite les compatriotes d'ici et d'ailleurs à rester républicains en respectant le président de la République, qui est donc une institution. Nidjon Frundi retrouve l'air de la liberté après 24 heures passées donc parmi des personnes armées, lourdement armées. Qu'a-t-il fait? De toute façon, le chairman du Social Democratic Front est dans son domicile de Ntarikon à Bamenda depuis hier après-midi, passé 24 heures donc en captivité par des hommes armés, lesquels ont fait irruption à son domicile vendredi dernier, l'ont kidnappé en blessant au passage l'un de ses aides de camp. Selon notamment des sources, le chairman a été violenté par des ravisseurs pendant le kidnapping qui aura donc duré 24 heures. Cette fois, le président national du Social Democratic Front présente donc des blessures sur certaines parties de son corps, rappelant que c'est la seconde fois que Nidjon Frundi est donc enlevé par des hommes armés. Il avait été rapidement libéré lors de son kidnapping du mois de mai dernier. Pour l'heure, le flou persiste toujours sur l'identité même de ces ravisseurs. Les séparatistes s'en sont d'ailleurs dédouanés.
La ville de Douala est envahie par des zones d'insalubrité avec notamment des eaux qui inondent, qui circulent donc à ciel ouvert depuis environ 7 mois aujourd'hui. Le cas récent est celui survenu au carrefour Anatole, au cœur du marché central de Douala, désormais appelé Carrefour Kaka. Jean-Paul Chugnat et Daniel Orenze 2. Inondant les rigoles du carrefour Anatole, elle dégouline désormais sur la chaussée depuis de longs mois. Les eaux usées des excréments humains sortant droit des fosses septiques. Douala tient désormais son carrefour Kaka, nom de baptême d'un tristement célèbre carrefour Biémassi Akassia à Yaoundé. Les eaux là, vraiment, et vous-même, quand vous passez, chaque fois qu'on dit c'est le carrefour des Kaka, est-ce que ça peut faire plaisir? La vie des habitants du coin et la circulation des usagers est devenue invivable. Tous redoutent des maladies. On en a marre de cette eau. Les Camerounais, ils respirent les mauvaises odeurs. Bon, parce que cette eau-là, ce n'est pas une bonne eau. Le coin est carrément inondé. Les enfants qui passent là et tout, hein, mais nous sommes, c'est la pollution totale. Il faut que ça s'arrête là. Depuis 7 mois, des plaintes continuent de parvenir au chef de bloc C, Anatole. Les gens se sont plaints, surtout là où ça dégouline beaucoup plus en face hein, de l'église. Les eaux sortent de là-bas. François Elumou affirme avoir saisi le chef de quartier sur une situation plus que préoccupante. Moi, je donne un rapport à mon chef hiérarchique et mon chef transmet à la mairie. Hein. Ce n'est pas moi qui transmets les rapports à la mairie, c'est ça. Ici, chacun peine à comprendre l'inaction de la communauté urbaine de Douala et la mairie de Douala 1er. Plus que préoccupé à la bagarre de l'argent des tickets de parking. C'est pas la première fois, eux-mêmes ils sont déjà descendus là. Ils ont vu, ils connaissent ce qui se passe. Les gens se sont plaints. On a déjà fait les rapports sur ça. Hein? Ce sont eux là maintenant, c'est leur travail qui reste. Bon, je ne sais pas quand ils viendront faire ces travaux. À qui incombe donc la responsabilité de faire tarir ces eaux de fosse septique sur la chaussée? En attendant réponse et gestes qui sauvent, tous les habitants et usagers de la zone Carrefour Anatole vont encore bien respirer, pour un bon bout de temps, des bols d'air pollués, bien nocifs à la santé des enfants et des adultes. Après des eaux qui ruissellent, nous parlons cette fois du mauvais état des routes, avec notamment les travaux d'entretien routier engagés sur l'axe Niala Rail, Château d'eau Japoma, qui sont donc en cours depuis quelques jours. Sur le site, comme promis par la communauté urbaine de Douala, d'ailleurs, si pour certains cette action est salutaire, d'autres par contre redoutent le mauvais état, la mauvaise exécution même de ces travaux à cause des pluies qui s'abattent sur la capitale économique du Cameroun. Berti Bissai nous en dit plus. Comme annoncé par la communauté urbaine de Douala, les travaux sur l'axe Niala Rail Château d'eau Japoma ont démarré. Depuis quelques jours, des engins s'activent sur le chantier. Pour des riverains, il a fallu du temps. Mieux vaut tard que jamais parce que déjà, on n'espérait plus. Vu la manière dont la route se dégradait, on pensait nous avoir oublié. Si au moins on a lancé, on peut avoir l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous sommes satisfaits de voir que les engins sont là. Travaille déjà, ça nous donne déjà un lieu d'espoir. On félicite l'État pour ce qu'il est en train de faire sur cette route-ci. Parce que nous avons tellement souffert. Et depuis de longues années que nous souffrons ici, nous ne parvenons pas à sortir. Les enfants ne parviennent pas aller à l'école à cause de l'état des routes. Donc, ce que l'État s'est engagé, c'est facile à arranger cette route-ci, ça nous soulage tellement. Avec les pluies qui ne cessent d'arroser la ville de Douala, d'aucuns redoutent la mauvaise exécution des travaux. Pour le moment, on ne peut rien dire, puisque on ne voit encore rien de bon. C'est quand ça serait un peu mieux qu'on pourra dire si c'est mieux ou pas. Nous savons ce que c'est que le pays. On peut commencer, après on arrête. La dégradation de cette route a déjà eu un impact négatif sur les activités de commerce et de transport. Mais nous sommes vraiment en chômage. Si c'est pour ça, on a autour de 2 à 3 mois. Il faut payer l'endroit où nous sommes, il faut payer nos maisons, il faut se nourrir. Donc vous voyez, on n'a pas le choix. Pour qu'on travaille, il faut qu'on appelle maintenant par téléphone, tu es à l'atelier. Il faut que je dise oui, que pour qu'il vienne me trouver sur place. La moto c'est 500, de côté, Niala, de côté 500, avec le bâchiment. Ceux qui s'efforcent bien à nous amener jusqu'à de côté, très souvent on nous balance dans la boue. On sort de la maison en veste pour le travail et parfois on n'arrive même pas au lieu de servir. Souvent on est pénalisé pour le retard. Les travaux ainsi repris sur cet axe avaient été interrompus faute de financement. Les riverains de Niala Rail et Château d'eau Japoma espèrent que pareil scénario ne se reproduise plus.
Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Fonfermi Armstrong. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Flavien Dongo. Viewers, thanks for joining us in this second segment of news. In the English language, the national chairman of the Social Democratic Front, SDF Party, Ni Jonfrundi, is preparing to spend his second night at his Ntarikun residence in Bamenda, northwest region of Cameroon, after being released from captivity. Speaking to a reporter in Bamenda, Mbustela, Ni Jonfrundi indicated that he was maltreated by those who kidnapped him and treated even like a pig. Those are some of the words used by Ni Jonfrundi to describe the situation under which he was taken from Ntarikun to an unknown destination. Mbustela reports. They dragged me like a pig. I was nothing better than a pig. Ni Jonfrundi made this statement while narrating how his abduction took place last Friday, June 28, 2019, shortly after he returned from hospital where he has spent 3 days. Since I came from back from hospital, I was feeling a little bit. So I laid down to rest. I was not 10 minutes in my rest when I heard gun firing in my compound and even in the parlor. I was so taken aback that I ran out with a t-shirt on and a trousers. Luckily I had these things on. To find out what was happening, that they were shooting guns even in my own parlor, in my parlor. As I opened the door and engaged on the corridor, I saw this young man with heavy body, heavy muscles, walk up and say, "Come!" and grab me on my chest. I said, "Please, I'm just from hospital. Can you let me know what is happening?" You don't drag me because I was busy. He dragged me on the floor of my parlor, dragged me through the corridor here, through the yard. They dragged me like a pig. I was nothing better than a pig. And when they put me into their car, shoved me into their car and were now going, those of you with cameras, if you look here carefully, they knocked me with their gun here about 5 times. They barreled the gun. They masked me up. And when they masked me up, they were all along trying to block my nostrils from breathing. They took me, dragged me out of the car through some muddy places, no shoes on my feet, and took me into what they call a cell and sat me there on a hard bamboo bench. And that's where I slept for about 2 days. The chairman was released between 9 and 10 p.m. Saturday, June the 29th. This is not the first time the chairman is taken hostage, but the demands are almost same. This time, a 24-hour deadline is given. They said, "You want you to declare," they brought their cameras, "to declare on a camera now that you'll get your people out of parliament, out of senate, and out of council in the next 24 hours. You have to say it here and now for us." I said, "Sir, you don't hold me at gunpoint to make such statements. You cannot do it. Sorry. I will not do it. Because you have to tell me why." They said, "No, they're disturbing our cause." I said, "Why is it only the SDF parliamentarians?" They said, "Because those are our parliamentarians who have faith and confidence in. When they come out, we'll know what to do with the rest." I said, "Okay, fine. What I want to tell you on this media is that we had our own approach. And the approach I explained to them off camera." Despite the threats, intimidations, abductions on his person, family and party members, Chairman Frundi maintains, "I think that we are in trouble in the country. Because anybody who has an opinion thinks that his or her own opinion is supreme. But I still believe in the democracy that the SDF ushered in. I still believe in the rule of law that we talked of. I still believe in quite a lot of things that we talked of in the 90s. But if today you have yourselves being boxed up and down to say you must say it this way, well, if Cameroonians will listen to me, I'll say give in to them. Do what they want you to do. Let us see what they can do.
they can also do to avoid the situation. You never can tell. Sometimes a little child might solve a problem. But I do not believe in the type of administration where each individual thinks that he knows best, he is the best. Nijan Frenzy returns in a singlet and a pair of trousers, no shoes and no cap, just like he was proud to being taken away. His brutal abduction left him with bruises all over his body. The circumstances surrounding his being free are... And the Nijan Frundi, being the chairman of the Social Democratic Front, SDF party, a leading opposition political party in Cameroon, family members, SDF party supporters and sympathizers, tenured at the Ntarikun residence of the chairman Nijan Frundi after his release. Some of them came equally to listen to the sad stories and the conditional circumstances under which the chairman was taken away. It should be noted that he was taken and his bodyguard shot at his residence in Ntarikun by yet to be identified individuals. Nijan Frundi, should be noted, was taken to an undisclosed destination. We shall be coming back to the ambience that reigned at the Ntarikun residence of Chairman Nijan Frundi in subsequent editions of the news on Equinox Television. And from Bamenda, we move over to Buya, chief town of the southwest region of Cameroon, precisely to the University of Buya, where the University of Buya Law Society has successfully organized its symposium edition 2019. In the course of the event, there will be lawyers who are called to be exemplary. The said call was made by Professor Sonny Patience, who is the head of department of the English Law Department of the University of Buya. Derek Jato tells us more. The 2019 annual moot court trial and symposium of the Law Society, an organization operating under the Faculty of Laws and Political Science of the University of Buya. The court is seated, and Septic Vivange, former Law Society president, highlighted the bilingual and bilingual nature of the trial, which is an innovation this year. That is a big innovation, so that people should see the role which the interpreter plays in a trial, even where the accused person does not understand the language of the court, because it is prejudicial that every accused person must know what he or she is being charged for. Having as objective of promoting skills of advocacy and critical thinking in its members, Professor Sonny Patience, head of Department of the English Law of the University of Buya, while congratulating her students for a perfect blend of theory and practice, reminded them that they should always be true example of justice. The message that I always have for my students, and that I always tell them in class, I handle them as teacher as well as a parent, is that they should be very, very honest as they're going out there. They should be very, very humble. They should have a positive mind, and they should try to interact positively with one another. And to Professor Atanchu, Dean of the Faculty of Laws and Political Science, seeing this mood go out of the four walls of the University of Buya is his goal. We want to go international by participating in other moots, and you know, one of the most renowned moots is the moot hosted by organized by the Center for Human Rights, University of Pretoria, I think, which will be holding in one of the South African universities this year. The University of Buya 2019 moot court trial and symposium was also attended by senior lawyers and judges. And we stay in Buya, chief town of the southwest region of Cameroon, with Derek Jato, where the provisionary execution of court judgments in Cameroon is said to have been posing a lot of problems, especially in various courts across Cameroon. In a recent publication launched in Buya, chief town of the southwest region of Cameroon, Augustine Kongo, deputy attorney general of the southwest region of Cameroon, presented this situation. Derek Jato was there and compiled the following report. It has been strongly noted that provisionary execution has been witnessing some challenges over the years,
in various courts across the country. Provisionary execution is that aspect of the law that permits judgment creditors to assuage their damages while waiting for the final judgment. And it is intriguing because it has been variously interpreted by the courts. And most often, parties to a lawsuit are caught in this web. It is against this backdrop that Justice Augustine Tanying Kongo, Deputy Attorney General in the Southwest Attorney General's office, after gathering decades of his work experience and leaving some of such cases, is today launching his book titled Provisional Execution of Court Judgment in Cameroon, an appraisal of the legal framework. What motivated me to come up with this writer is that throughout my period being at the Court of Appeal as a prosecutor, I discovered that many of our colleagues and lawyers alike did not quite have a mastery of the legal framework that governs the concept of professional court judgments in Cameroon. The book has two parts. The first part handles the execution under the national law, and the second part handles the execution under the other laws. This publication has been described by legal minds as an eye-opener. So I think I congratulate the author for what he has done. I've had more than one copy because I have a large law firm, and I want that everybody in the law firm should read this and understand the law. The book shows and explains our rights, and which in effect should purify justice. Now the quintessence of any book that deals with law is to make sure that justice is dispensed. Let's use this opportunity to introspect and ask ourselves if we believe in justice by fear of the law. The 300-page book was launched in Boya before the Southwest Governor's representative, Chief Justice, a super-scale magistrate of the Supreme Court now retired, just to name but these few. Derek Datode reporting from Boya, Southwest region of Cameroon. And Swiss authorities, Swiss police rather, yesterday used force to disperse some protesters, about 250 of them who were demanding or demonstrating against the presence of the Cameroonian president, His Excellency Paul Biya, at the Intercontinental Hotel in Geneva, Switzerland. The protesters gathered earlier Saturday in a square near to the European Union headquarters of the United Nations, close to the hotel, waving Cameroonian flags and anti-Biya placards and posters. When the protesters headed for the Intercontinental Hotel, Swiss police officers deployed in their numbers pushed them back with tear gas and water cannons. Police spokesperson Guillaume Gentil said officers fired tear gas after a group of protesters attempted to break through police lines to reach the hotel. He said several protesters were affected by the chemicals, but nobody was injured or arrested in the course of the process. The protesters are fighting against what they called President Paul Biya's 37 years of dictatorship and the illegal and unlawful exploitation of Cameroon's resources by some individuals, including the president himself. In a press statement, the Secretary General of the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, that's the CPTM party, strongly condemned the anti-Biya protest. Jean Kwete qualified the move as barbaric. Cameroon's Minister of Communication and Government spokesperson René Emmanuel Sadi, equally in a communique, later said the Cameroonian people and the nation Cameroon strongly condemn such move, which to them tarnishes the image of Cameroon. He, however, called on Cameroonians at home and abroad to be patriotic and stay with the love of Cameroon, with the interest of defending the image of Cameroon, both in Cameroon and out of Cameroon.
And we stay in Switzerland. Switzerland that has indicated its willingness to mediate between the governments of the Republic of Cameroon and separatists in the Northwest and Southwest regions in order to see an end to the close to 3-year conflict hitting the two English-speaking regions of Cameroon. The information was released recently, and political analysts in Cameroon had their say as far as the said declaration of Switzerland is concerned. Hemine Luga tells us more. The Federal Department for Foreign Affairs in Switzerland is henceforth concerned about the continuing violence in the northwestern southwest regions of Cameroon, which is taking a heavy toll on the population. History has it, Switzerland has long been committed both at bilateral and multilateral level and has now been taxed by a majority of the parties with facilitating an inclusive negotiation process. The update has spurred reactions of political actors. Mr. Biya, don't talk. We are waiting for him. It is very far we are waiting that Biya says that this is my position about this. He sent on only his messengers here, down, get up. You know that before obtaining our independence, we struggle to continue. We have a chance that we have opportunities that has been given by Sweden country. Okay, Sweden country has to approach us. Eh? We shall concord it. We, despite the way of doing before. According to the Swiss Federal Department of Foreign Affairs, two meetings have already taken place on its territory with the objective of preparing the future peace negotiations between the Cameroon government and the political opposition. Approximately thousands of persons have lost their lives as a result of the crisis, and over 530,000 persons displaced as a result of the same crisis, according to the United Nations, and this with increasing calls for dialogue to end the third crisis. And I will take you to the Mongo division of the littoral region, precisely to a locality known as Dibombari, where inhabitants have been complaining of the lack of social basic amenities, notably access to health and insufficient health personnel in the few health structures that exist in their municipality. Immaculate Fogo tells us more. Dibombari, a locality in the Mongo division of the littoral region, inhabitants say, has been plagued with health challenges for some time now. They say the high rate of poverty in the area has pushed some of their youths to get engaged in the consumption of drugs. Poverty is at the helm of most health complications that stems from drug consumption in Dibombari. Most of our youths consume this locally made whiskey called Afofo, which has devastated health consequences. By the way, with 50 francs, you can get a cup of this type of whiskey. Same with cigarettes, which are equally affordable for these youths. The entire population is suffering, especially these youths who consume Afofo. Most of those who consume it say it is a means for them to forget about their predicaments. Inaccessibility to health centers and the lack of medical personnel in the hospital equally poses a great threat. They say they have to cover long distances just to have access to health care services. It is for this reason that a 3-day sensitization campaign, which constitutes of free consultations and free distribution of drugs, was organized by the elites with the aim of addressing the problem. In fact, this campaign was made because we just realized that a lot of people from this country, this place, are going very far for their health. This hospital is a big hospital, has the enormous potentiality. That is why we said we should come here to introduce people to their hospital
and then they should come every time to come and consult. It is with great relief that the population of Dibombari welcomed this wonderful initiative, which will go a long way of addressing health complications in their area. And in sport, the Littoral region is celebrating the winning of the finals of the Cup of Cameroon. The star Renard de Melon of the Mungo division of the Littoral region are this year's finals of the Cup of Cameroon. This afternoon, they edge their counterparts, that is FAP of Yaoundé, 3-2, claiming the trophy of the Cup of Cameroon edition 2019. The finals took place at the Amadou Ahidjo Stadium in the nation's political capital, Yaoundé, and was chaired by the Prime Minister of the Republic of Cameroon, Chief Dr. Joseph John Ngouti, who represented the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, who is out of Cameroon. It should be noted that it was an interesting finals watched by most Cameroonians out of the stadium. It is equally believed that the ongoing African Cup of Nations and equally the Women's FIFA World Cup in France is one of the reasons some of the issues that kept Cameroonians at home, and most of them only watching their houses. The finals or the trophy of the Cup of Cameroon is once again coming to the Littoral region. And we say stay in sport to give you the reaction of the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Clarence Seedorf, shortly after the 0-0 tie match that was recorded yesterday between the Indomitable Lions of Cameroon and the Black Stars of Ghana. Clarence Seedorf said he is satisfied with the performance of his boys. I think we saw a match with two teams fighting for victory. I'm going to give you my football point of view, right? Because then as a fan, I can understand your feelings maybe, but as a football coach, knowing what I've seen, I saw two very organized teams who have created enough to be able to win. I think the draw is a fair result for what we've seen today. I think the performance was a solid performance against a good team from Cameroon side. And Kanabiyik has played a proper match. He also needs to grow. Yeah, he made that mistake. That was obvious for everybody, but there was a player that came in, he didn't see him. Can happen, nobody's perfect. But I think that overall that our defense has been solid. He also made an incredible recovery at the end. Maybe you don't remember that, but I do. So I think that I give a very positive note to our defense today. Then I agree with you that we could have in some moments managed better the ball and to have a more cleaner play, because we did that parts of the match, but sometimes we didn't. And that's why Ghana, obviously being positioned well with their quality, could create obviously some. And it is with that element that we put an end to the 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon. Thanks for staying with us. We are leaving you in the company of our sports program that continues on your number one TV channel, Equinox Television. Flavien Dongo and I are leaving you for tomorrow. Flavien Dongo, have a nice evening. Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Restez sur Equinox Television.